Hop. Un peu, ouais. Comme ça. Bon, après, on aura des petits PNJ pour contrôler les voiles depuis la barre, ça sera plus simple. Ah putain, ça fait longtemps. Un bon petit bateau comme ça. Alors c'est le début, mais franchement pour un premier bateau, c'est bien, hein, ça dépanne. Hein. Avec le petit truc du Kraken en face. Oula, oula, les frises, les frises, les frises. Non, il a une bonne gueule, hein. Esquiver cette île et l'autre, elle sera sur la droite. On n'a pas trop de vent, mais on arrive quand même à avancer. On avance beaucoup plus vite qu'un radeau déjà. Et puis, on a largement de poids pour stocker tranquillement. On est plutôt pas mal. Option ship. Non, c'est quoi? Il faut viser ça. Ouais, il faut accès. Donc, voilà, là, on peut stocker. À 1600 de poids pour chaque truc, je crois. Hein. On a 4 en tout, il me semble. Oh, j'aurais pu mettre de la bouffe là, mais ça sert à rien de la bouffe. De toute façon, pour le moment, j'ai pas de mec à nourrir. Est-ce que je pourrais mettre les trucs Est-ce que je mettrais pas genre non, la lume je peux pas dedans, mais peut-être ça, la tannerie dedans. Est-ce que je mettrais pas la tannerie dedans? Pas la pas là oh, si peut-être la frame comme ça passe là. Que ça gêne au-dessus non point au-dessus donc c'est parfait crafter des meilleurs fringues parce que là on est un peu des clochards ça le fait pas. On va se crafter des meilleures fringues. Alors, skill, on va aller là-dedans, je crois. Alors, Unlock Armory. Et on va se débloquer ces sapes-là. Alors, attends, Enable to Use, Journée à la mort. Alors, ça, c'est pour les blueprints, je crois. Ça, c'est pour la température. La fortitude et tout, voilà. Plus 15%, c'est plutôt pas mal ça à prendre. Ça, si tu veux aller dans les trucs hivernales où il fait froid, c'est ça qu'il faut prendre, faut maxer. Avec les fringues de fourrure que tu débloques ici, et t'es bien. Rate durability lost of armor, ouais, ça c'est bien aussi. Et ça, c'est l'armure en plateau. Ouais. Il va falloir là à la fin. Et encore, je pense pas que ce soit indispensable. T'as la cursed aussi, genre ça c'est nouveau. Quand je l'avais vu, mais je crois que je l'avais vu en mode skin. Parce que tu peux mettre des skins, appliquer des skins sur les tenues que t'as. Donc à tester. Voir déjà pour la hide. Pour la hide. Donc là, on va mettre quoi? Avant, je mettais dans le poids. Et vu que c'est déjà un truc de poids, peut-être la résistance, Reduce Seeking Rate, ça c'est pour la dégradation.
Et vu que je vais continuer à jouer, je pense que ça sert à rien. Damage. Ça sert à rien vu que c'est pas un navire de guerre. Mettre la résistance, tu sais quoi. Il y a zéro vent. Il n'y a pas du tout. Oh putain. Il a des 5. Je peux pas jouer sur un serveur comme ça, tu vois. Alors, armor, hide. La fibre et des. Ça sent, ouais. La fibre et. Ça, de la fibre. J'ai pas trop de fibre. Il a la fibre lui. Il faut bugger, fait chier. Tac. Ça. Avoir des vrais saps. Ok, qu'est-ce qu'il nous donne? Là, on a un vrai flow. Un peu de dégâts quand même. Ça c'est pas bon. Je pense que je sais pas si je peux esquiver là. Il va me tourner dessus là. Et je perds de la vitesse. Ok, on va prendre des dégâts. Le vent il est vraiment pas pour moi là. It's ok. On va prendre quelques dégâts. Il y a les trucs à droite là, les trésors sous-marins aussi, mais je crois que c'est pareil que les coffres, ça rapporte pas énormément de. Il faut les faire aussi parce que ça donne des crafts, des blueprints différents aussi. Il faut les faire, mais pour les gold, je crois que c'est pas officiellement. Dans mes souvenirs, c'est un peu bidon. Dans mes souvenirs, c'est un peu bidon.
Tu vois, ça a tapé, ça a mis des dégâts, faut surveiller les voiles. Oh, j'ai pas trop pris de dégâts, ça va en vrai. Ouais, je vais dans la bonne direction, j'espère. À 4, ouais, c'est bon. Ouh, il y a des tempêtes au fond là. Et ouais, une fois que j'aurai terminé la carte au trésor là, je partirai au niveau du portail pour me barrer d'ici. Où, là? Ok, c'est bon. Je vais pile sur la bonne île. C'est parfait. Je vais partir un peu plus sur la gauche, l'île en face de toute façon. On la voit. Une petite île. Et à la fin, on prendra le portail ici. Parce que j'ai jamais testé encore, je sais pas vraiment comment ça marche. Il est toujours oula. J'ai eu peur, il est toujours là, lui. Un peu galère. Et je voulais voir, t'as quoi toi? Ouais, il y a des trucs sur toi. Alors à 4. 415, ça va. Let's go. Ok, on arrive sur l'île. Il y a pas mal de bateaux, hein. De toute façon, il y a encore des mecs qui
Mec, oh là là, il y a des lags de ouf. Il y a des mecs qui jouent encore sur le. Sur ce serveur. Sur ce endroit-là. Cette île. Il y a de l'action. On va essayer de ça. D'accoster. Sur un bord, comme ça, je pourrais repartir vers le sud direct. Par là, on va se foutre par là. Pas si je peux mettre l'encre ici. Non, je suis pas assez proche. Pas du tout, les mecs ils ont mis des trucs, des bouées là, mais à quoi ça sert? Toujours pas. On essaie de se tourner un peu le navire. Sans botte, hein, c'est un peu galère. Pas. Pas pourquoi ils ont mis des. Non, c'est pas profond ici. Putain, c'est relou. On va avancer comme ça en traviole jusqu'à que je puisse foutre l'ancre. Hop. Je vais un peu vite là. Faut toujours pas mettre l'ancre, c'est un délire. Hein. Pivoter. Un peu. Ah, je sais pas. Hein. S'approcher encore un peu vite fait. Ça
C'est un putain de paquebot quand même le truc, hein. Laisse tomber. Et comment là? Toujours pas. Ouais. Ok, nice. Voilà. Comme ça, on prend pas de dégâts. Enfin, le bateau prend pas de dégâts. Alors. Paf. Juste là. Je pense que je vais prendre Teddy là. Ouais. Teddy, poteau, tu viens avec nous. Teddy, comment tu pars d'ici en fait? Un petit peu là. Oh! Misère. Le bateau, il n'est pas fait pour Teddy. 400 gold, je pense, en vrai. Avec Teddy, easy. Easy. Il n'y a pas de montagne, c'est c'est le top. Pas de montagne, il n'y a pas de base dessus. Je pense pas. Ça lag. On va foutre un pied à terre, voilà. Pour avoir le double XP. Le double XP, l'XP, du moins. Allez, venez les mobs, là. Attends, faut que je sois par terre. Hop. Les mobs sont où? Level 19, il n'y en a qu'un. Oh. Dégage. Ça dégage. On a que 3 à chaque fois. Hein. Ah, peut-être parce que c'est une common. Je les ai déboîtés. Logiquement, là. Attends, on vérifie bien. Hein. La carte dit 415. Hein. Approximatif. Ok. 1200. Oh là 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 là. Oh, des crafts, des blueprints. Vert. Donc du coup, très intéressant. Vous voyez, genre, il y a deux fois type, deux types de fibres. Il en faut 33. Deux types de hide. Il en faut 41. Deux types de kératinoïdes. Et de l'organic paste. Je suis un peu dégoûté parce que j'ai déjà crafté des trucs. J'aurais dû crafter des... Après, ça coûte que dalle, hein. Mais c'est stylé. Le casque. J'ai eu 9 points. Avec le double XP et 1200. Putain, mais ça, c'est bénef, tu vois. C'est parfait. Je mets dans le poids encore. Ouais, je mets dans le poids. En fait, je mets dans le poids. Peut-être m'arrêter à 1000, en fait. Je m'arrêterai à 1000. Nice. 80 points de disponible. Bah bah bah, on est archi bien, putain. Un Teddy là, putain, on est bien. Allez hop. Aussi, je vais te mettre, attends, je vais te mettre de la stam. Récupérer de la merde, c'est bon. Tiens, du violet, s'il me fallait du orange plutôt. Hop, on backte un peu. Et on se pète d'ici. Ah, quoique. Non, je vais peut-être farmer un peu. Il n'y a pas des bestioles à niquer dans le coin. Ouh, j'ai pas une autre carte. Ah, mais je l'ai pas sur moi. Vu qu'il y a le double XP, autant en profiter. On fout Teddy à la maison. Hop. On se met là. Move in tool, last. Ok, je suis trop loin. D'accord, je vais là. Je suis trop loin encore, il veut pas. Peut-être à l'arrière comme ça. Pourquoi il veut pas?
font chier derrière moi. Ok, ça c'est chiant ça. Ok, les relous. Voilà. J'étais peut-être trop près. On va déposer la thune. T'as 1000 gold comme ça m'est bien. En vrai, si je trouve plus, ouais, 8 cartes comme ça, ouais, les 10 000, je peux les faire en fait, hein, pour la brigue. Alors. Hop, les 1000. La carte. Ok, on a d'autres trucs à 4. À 4, à 4, à 4. À 4. À 4. J'ai 2 4 à 4. Hop, on va déposer ça. Bah. Ah non, ils m'ont donné un chapeau vert carrément. Oh, mais stylé! J'ai même pas fait gaffe. Ok. Ah, je peux pas le mettre parce que genre, ouais, voilà, j'ai pas le skill à mon outil. Alors attendez. On va se le donner, hein, vite fait. Hop, c'est sûr. Qui permet d'utiliser genre les crafts, les blueprints de verre. Donc t'as un. Ouais, le verre, c'est pas ouf. Hein. Ça te donne un peu plus d'armure. T'as 1% d'armure de plus, alors que là, t'as 20. Bon. Ça dépanne. Mais le mieux, ouais, c'est le violet, violet et le jaune, je crois. On va checker les maps là, les trucs que j'ai. Celle-là. Ou c'est pas la même île. Ah putain, c'est celle-là et celle-là, je crois. La flemme. Flemme, 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 il n'y a pas de vent en plus, donc du coup, non. C'était 247, 112, ouais, j'aurais pu avoir 500, j'aurais pu avoir quelque chose de... je sais pas. Quality 05, 14, 11, 07, 14, 12, 17, 17. Ouais, 3-2 et 1-8. Celle-là, en vrai, elle est intéressante, hein. La 3-2, là. La 3-2, elle est intéressante, en Et la map, c'est laquelle, celle-là? Quoi, c'est l'île, c'est laquelle? C'est celle-là, ouais. Ah, en vrai, c'est dans le sud, hein. Je pourrais y aller, c'est à côté du portail. En vrai, on va faire celle-là, ouais. Celle-là, on la dépose et on va faire celle-là. Et on se quittera là-dessus, je pense. Tac. On pivote. On attend que l'ancre ramène son cul. Attends, j'ai pas lâché l'encre là. Je sais plus c'est quoi la touche. J'avais une touche pour l'encre. Je sais plus c'est quoi. Ah, je sais pas. Pas W, non.
Pivote. Ouais, c'est vraiment un paquebot le truc. Putain, pour manœuvrer et tout, c'est une galère. Mais c'est comme si on se trimballait avec un camion de déménagement, en fait, tout simplement. C'est tout notre stuff. Et après, le schooner, il nous servira surtout à tracer, aller très vite pour explorer, pour fighter, peut-être même aussi, faire les premiers combats. J'hésite, hein. J'hésite entre en faire un schooner speed, tu vois, genre je voyage beaucoup, ou un schooner où je me tape. Où je me tape pour voir, parce que si ça se trouve, fighter les ships, les damnés de là. Putain, mais la manœuvre, frère, galère! Je suis au max là. Je vais pas me keblo de. Pas me keblo, hein. Délire. Ouais, les damnés, parce que les damnés, ils donnent des ressources aussi, et je sais plus s'ils donnent des golds. Parce que s'ils donnent des golds, moi je vais faire que ça, hein, que me fight avec les damnés. Hein. C'est beaucoup plus stylé que farmer les trésors. Les trésors, ils sont. Voilà, c'est juste tu tapes une île ou c'est sur une montagne, tu galères, tu vois rien. Ça, c'est, je suis vraiment pas fan. Tape un tout droit. Tape un tout droit, logiquement. Ça passe. Hop. Hop. On se pète d'ici. Tourne à gauche. De la vitesse. Ok. Alors, la map vite fait. Ouais, c'est juste en bas. Ouais. Tape un tout droit là, peut-être, maybe. Est-ce que ça suffit? Tiens, je suis à droite. Ouais, je crois que je suis bien là. On est plutôt pas mal. Alors, tac, on remet de la résistance. Ah, ça met bien. Les 1000 gold là. Les 1000 gold, ils mettent bien. Et puis là, je vais peut-être même avoir 1000 ou peut-être 500. Ouais, peut-être 800. Ouais, je pense un petit 800 là. Je pense qu'on va avoir un bon petit 800 là. Franchement. Puis après, je prends le portail, je me pète. Je vais à un endroit où il n'y a pas de monde, pas de mecs là où ils sont installés comme des sauvages. Là où il n'y a pas de lag, où c'est flou de sa mère. Je pose mon bateau, je farme comme un porc, je fais mon schooner. Et je pense que je l'équipe en mode attaque, tu vois. Je fais un schooner attaque. Et je défonce après des damned. La prochaine étape, c'est ça. Niquer des damned. On va faire le schooner d'abord. Hein. Niquer des damned. Une fois qu'on a suffisamment de gold. En fait, le but, c'est ça. C'est d'avoir 10 000 boulas pour pouvoir faire la brigue. Hein, parce que voilà, c'est. Et encore, si ça se trouve, il y a d'autres bateaux que je connais pas qui sont plus intéressants que la brigue, j'en sais rien. C'est genre. Va falloir aussi faire la base. Peut-être tamer girafe, éléphant. On va voir comment on s'organise. Parce que après, le timing, tu vois, genre, c'est pas trop ma came, hein. Je suis pas trop fan du timing.
Donc là, franchement, j'ai le petit Teddy, je suis bien. Mais ouais, mais après, je pense que ouais, franchement, pour farmer une brigue, un petit éléphant, une girafe, ça pourrait le faire. Surtout l'éléphant, je dirais, mais à voir, ouais. On verra. Et puis une petite base, ouais, parce qu'il y a pas mal de trucs aussi à crafter. Hein. Il y a des trucs que je connais pas. Même après, plus tard, hein, mais je pense qu'on est loin, on n'est pas encore prêt à faire ça. Mais genre, les nouveaux trucs de cette update, là, l'update récente, le truc de la fonderie, là, pareil, hein, ça, c'est des trucs. On verra à la fin. À notre temps, on est tranquille, là, on chill. Tornade là à droite, je sais pas, c'est quoi, c'est le portail, c'est peut-être fait exprès. C'est là où il y a le portail, ouais, je crois que c'est fait exprès. Faudra que je me renseigne. Avant de prendre le portail, il faudrait que je regarde le portail, comment ça fonctionne. Et que je me fasse pas douiller, tu vois. Je me renseigne un peu plus. J'ai pas envie de me faire niquer. Ouais. Et il faudrait trouver genre un endroit pour se poser tranquille. Il va me falloir aussi des PNJ. J'en chope au moins deux, tu vois, pour les voiles. Pas deux, même quatre pour le schooner. Il m'en faudra deux pour le schooner aussi. Oh, même plus, puis je dis des conneries. Bah, pour les canons, il m'en faut. Oh là là, ouais, il m'en faut plus. Hein. Ouais, eux, c'est des petits level 5, tu vois, genre ils font pas trop de dégâts. Il y a des zones où, bah je sais, je me rappelle quand on est allé dans le sud ou dans le nord, bah c'était plus dangereux, il y avait des bateaux, les rouges. Après, ça dépend des zones aussi. Alors, ils ont tellement changé la map que genre, je comprends rien, faut justement que je me renseigne dessus. Je pense que là, ouais, je vais faire la carte, je vais stopper là et me renseigner après sur la suite des événements. Il faudrait que je prenne des notes pour pouvoir bien m'organiser. On approche de l'île. Oula! Il y a une petite équipe là. Et ça, avec le petit schooner, je vais les défoncer. Ouais. Je vais foutre tous les canons à l'arrière, je crois, comme à l'ancienne, je sais pas si ça marche. Ça marche encore, je mettrai tous les canons à l'arrière. Et baba! À partir fort. Faut essayer de pas se cracher. Comment ça lag? Ça charge tous les trucs là. Tous les trucs des joueurs, tu vois. Pas mettre l'encre encore. Là, je ferai un demi-tour de toute façon. Partir comme ça. Où il fait chaud. Ouais, putain, oh là là, les mecs, j'ai pas vu. Les mecs, ils ont fait une croix. Mais tu vois, genre, ça, c'est débile, putain. Pas autant de construction comme ça. Mais ça paye, tu payes des lags. Franchement là, si je fais un demi-tour, je fais un demi-tour, tu vois, je peux mettre l'ancre. On va se faire notre petit demi-tour.
Ils ont fait tous des bateaux à une voile. Hein. Moi j'ai pris la deux voiles et eux ils ont fait des une voile. Peut-être pour que ce soit plus rapide. C'est peut-être plus intéressant. Je sais pas. Moi j'ai opté pour l'espace. Les ressources. Voilà. Pouvoir stocker comme il faut. Là, logiquement, je peux mettre l'encre. Voilà. Mais l'encre. Comme ça, après, on pourra bouger, mais easy. T'es dit, let's go. Oh putain, mais il y a une montagne. Oh non, j'avais pas vu. Oh, j'ai pas vu la montagne, malheureusement. Que je peux regarder direct dessus. Ok, il ne va pas me mettre correctement. Je crois que c'est sur la gauche, c'est par là-bas à gauche. Bon, il y a des petites. Est-ce que je les prends ou pas? 3, 6, vas-y. Mais bouge-toi le cul, t'es dit là. Oh putain, ouais, je vois le faisceau, il a l'air d'être au-dessus. Passer par là. On va boire un coup. On va voir si c'est au-dessus. Au-dessus même, de toute façon, au-dessus, je peux les faire avec l'arbalète. Hein. Le saut, il est là. On peut peut-être faire le tour. Ça a l'air d'être en bas. Fasse vite parce que j'ai de l'XP et j'ai pas envie de perdre l'XP. On redescend. Ah, j'aurais pas dû descendre pour récupérer la bouteille là. Que dalle! Et je suis où là? Putain. Allez, t'es dit là. Je dois le cul, merde. Ouais, mais je me vois rien, frérot.
Vas-y, respire, t'as dit. Putain, ça casse les feux. Ok, celle-là. Ok. On va dégainer l'arbalète. Les gants, t'es mort. Il faut attendre qu'il sorte. Ok, venez, bande de con. Genre, je l'ai pas touché. J'ai mis une life, hein. Je nique l'arbalète en premier, je pense. Il a fait prendre. Ok, tant pis, il va revenir. Nice, ok. J'ai combien, il y en a que 3, ils sont morts. Oui, good. Ah bah elle m'a fait grave mal. Ici. Balance le coffre, frérot. Vous voyez, hein, même pour un coffre comme ça. J'ai pas vu les golds, bien, j'ai pas vu les golds. 3 points, ah merde. 700 gold. Vous voyez? Et juste avec l'arbalète, hein. Une qualité un peu easy. 102 points. Oh la vachette! Se pète d'ici. De toute façon, je vais stop la vidéo ici. Je vais me mettre sur mon petit bateau. Et je vais vous quitter sur le bateau. Tranquillement. Franchement, la carte était juste à côté, ça aurait été con de pas la faire. Où sont les crocos? Le brouillard est infâme, mon Dieu. Je sais pas où je vais. Hein. Je veux dire, je sais pas où je vais. Il respire. Oh, il y a du miel là. Donc c'est ça pour les oursons. Du vanille. Pour tamer un petit ourson, ça vient ça. C'est ça qu'il faut. Hein.
En vrai, je sais pas. Je crois, hein. Il me semble que c'est ça. Il est où mon bateau? Ah oui, my boat. C'est par là, non? Oula, mais qu'est-ce que je fous ici, moi? Complètement au mauvais endroit, genre, c'est pas du tout ici. C'est à gauche ou à droite là? Partir par là, non? Que je la prends. De toute façon, je vais bouger, je vais prendre le portail, hein, mais bon, on prend dans le doute. Allez frérot. Il est timide. Oui, il me pète les couilles juste en fait. Ou alors il y a des gros lags. Et putain de descente. Il est 5, si oui, il est 5. Last chance. Be good. Ok. Donc du coup, on a fait le bateau. On a dit au revoir au raft, au radeau. On a fait les cartes, donc du coup on a les sous. On est plutôt bien. Prochain objectif, prendre le portail. Voir où est-ce qu'on peut aller. Et là, en fait, j'avoue, la priorité là, c'est de se barrer et de prendre le portail pour se casser à un endroit où on peut poser notre base et être tranquille sans lag. Et après, objectif, faire le schooner. Faire le schooner et niquer des mers, niquer des damned. Faire la base et on est tranquille. Donc je vous quitte là-dessus, les gars. J'espère que ça vous a plu. On a bien avancé. Et franchement, ouais, pour le moment, je compte continuer les épisodes sur Atlas. Une vidéo, je vais essayer, hein, franchement, c'est pas évident, mais je vais essayer de faire une vidéo par jour, ou un épisode par jour. Et on verra, hein, peut-être que ça sera pas possible, mais on verra. Sur ce, c'était Night, les gars. Prenez soin de vous. À la prochaine. Peace.